Frères et sœurs, bonjour. On va commencer notre messe. C'est le cinquième dimanche de Pâques. Vivons cette expérience. Oui, même si c'est la cinquième ou sixième fois qu'on célèbre la messe chez soi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Célébrons cette messe chacun de chez soi. Offrons nos maisons, nos tables, les lieux où nous sommes, offrons-les au Seigneur. Ce sont des places que le Seigneur est en train d'emprunter de chacun de nous pour les rendre son temple, son église. C'est le lieu où Dieu va nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Spécialement, cette messe sera célébrée à votre intention et surtout pour tous les malades. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous a convoqués à cette table, la table de sa parole, la table de l'Eucharistie. Le Seigneur peut nous rejoindre chez nous et nous nourrir de sa parole, de son corps, de son présence, même si on est chacun chez soi. Faisons cette expérience, l'expérience de la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous. Essayons de demander à l'Esprit Saint qu'il vienne nous imprégner, qu'il nous conduise, qu'il nous aide comme il a aidé la Vierge Marie à reconnaître cette présence de Dieu, cet amour de Dieu pour elle et qu'il nous aide à comprendre cette présence. Dieu est vivant. Il est au milieu de nous. Mettons entre ses mains nos faiblesses, nos peurs, nos soucis et la peur de notre monde. Et recourons à sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre, aux hommes qui aiment, nous te louons.
envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit « Je pars, vous préparez une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. » Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de chez moi, de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, les paroles, la parole de Dieu qui nous a été proclamée aujourd'hui, pas seulement ce dimanche, mais comme tous les dimanches, c'est une table assez riche et nourrissante. Mais tellement riche qu'on risque de passer à côté. On risque de rester à notre faim, même si le Seigneur nous propose beaucoup de bien. Je pense que le moyen de bien profiter de cette table, la table de la parole de Dieu, c'est de prendre pour modèle, pour exemple, la Vierge Marie. Parce que cette parole n'a pas besoin vraiment de savants, de théologiens, mais plutôt elle a besoin de personnes disponibles, de personnes humbles, de personnes qui ont soif de cette parole et qui invoquent cette parole pour qu'elle vienne nous nourrir. C'est un peu Marie. Marie qui était préparée simplement par la prière. Elle a été éduquée à faire confiance, à chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle était prête à accueillir la bonne nouvelle, à l'écouter, même si elle ne l'a pas compris, mais à l'accueillir, à l'écouter, à la méditer. L'exemple de Marie, c'est celle qui écoute, et c'est celle qui garde dans son cœur, et c'est celle qui médite. Et c'est celle qui laisse l'Esprit Saint faire son travail. Et nous sommes à son exemple appelés à faire la même chose. Mais partons un peu, essayons de faire un survol sur la parole d'aujourd'hui. Les lectures disent beaucoup. Ils disent déjà un peu de l'identité de cette nouvelle communauté qui se crée après la résurrection de Jésus. Nous avons tous envie d'idéaliser, de dire que c'était la communauté parfaite. Et c'est quoi une communauté parfaite? C'est-à-dire une communauté sans problème? Une communauté où tout est structuré, il n'y a rien à toucher, rien à changer. C'est-à-dire un peu comme les tombeaux, tout est arrangé. Si on met quelque chose dans une place, ça va, ou dans les musées, si on pose quelque chose en un lieu, ça va rester jusqu'à une éternité. Est-ce que c'est ça une communauté parfaite? Où il n'y a pas de conflit, pas de problème, pas de défi à faire face? Non. C'est une communauté comme nos familles, comme nos communautés, qui a tout à découvrir. Mais une communauté idéale, c'est celle qui vive cette présence de Jésus. Et c'est celle qui laisse l'Esprit Saint la conduire comme l'Esprit a conduit la Vierge Marie. Les lectures déjà disent que cette communauté ne vivait pas sans problème. Et c'est une communauté qui n'était pas dans les pays des merveilles. C'est une communauté qui avait à faire face à beaucoup de problèmes. Et ça se voit, ça se lit entre les lignes. Par exemple, déjà après le chapitre 6 des Actes des Apôtres, il y a des récriminations contre ceux de langue hébraïque, donc le problème entre juifs et païens, entre ceux qui viennent de langue hébraïque et ceux qui viennent du monde grec. Est-ce qu'il y a une certaine justice entre eux? Est-ce que tout le monde est servi et tout le monde se sent chez soi?
Le manque, la pauvreté, le besoin peut créer des problèmes. Et apparemment, ces problèmes se sont émergés dans cette première communauté parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans le besoin. Et la première tentation, c'est de dire, par exemple, que le Seigneur nous a choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas notre affaire de s'occuper des pauvres, de ceux qui n'ont pas de quoi manger. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour s'occuper du social. Et rester à annoncer la bonne nouvelle, et on deviendrait une certaine philosophie qui n'a rien à voir avec d'autres choses. Entre autres, comme la philosophie gnostique. L'autre tentation, c'est de dire Dieu nous a appelés à la charité, à regarder, à aimer, à secourir nos frères et voir leurs besoins. Donc, c'est pas le temps, on n'a pas le temps à perdre à dire, à annoncer la bonne nouvelle. Essayons de vivre la charité, donc, et ne perdons pas notre temps dans la prédication. Mais Jésus a choisi ses disciples à annoncer la bonne nouvelle, en parole, mais aussi en action. C'est un peu Marthe et Marie. L'Église qui écoute, l'Église qui est appelée à annoncer, mais l'Église aussi qui est assise et l'Église qui fait le repas. Donc, c'est un de ces premiers problèmes que les apôtres devaient affronter. Que faire? Ils se sont réunis. Non pas pour dire et pour faire une statistique combien de personnes ont été injustement traitées, combien de personnes n'ont pas eu de quoi manger, etc. Et c'est la faute de qui? Ils se sont rassemblés pour mettre le problème à table, pour chercher une solution. Et la solution et de reprendre un peu l'identité. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, mais on ne va pas laisser de côté les besoins de nos frères. Parce que aussi, l'acte de charité, c'est annoncer une bonne nouvelle. Donc, ils ont choisi des personnes qui s'occupent de la table des pauvres, nourrir les pauvres. Et les apôtres se sont libérés pour continuer à s'occuper d'annoncer la bonne nouvelle. Donc il y a la table de la parole et il y a la table des pauvres. Et l'Église a toujours fait ça. A toujours fait attention à ceux qui sont dans le besoin. Et a toujours fait attention que la parole de Dieu soit proclamée. Hier, aujourd'hui et toujours. Je pense que nous aussi, nous sommes aujourd'hui appelés à faire la même chose. Je profite de cette occasion pour saluer notre communauté francophone, pas seulement, mais toutes les communautés et nos paroisses dans les Émirats, qui se sont mobilisées pour, spécialement pendant ce temps de virus, le corona, où tout le monde était obligé de rester chez soi, on avait reçu pas mal de cris de personnes qui demandent de l'aide, des personnes qui n'ont pas de quoi manger. Je veux saluer la mobilisation qui s'était faite, je veux saluer le comité d'entraide et les personnes qui se sont offertes pour que personne dans notre paroisse, pour que personne ne reste sans quoi manger. L'effort qui a été fait, on a créé très rapidement des solutions pour pouvoir rejoindre toutes les personnes qui nous ont contactés. Et on trouverait aussi dans le futur l'Esprit Saint, comme il vous a inspiré, nous inspirera encore une fois comment vivre la charité et comment prendre soin de nos frères et de nos sœurs sans
mettre de côté la parole de Dieu, sans oublier que nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Je pense que la meilleure façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de la vivre. La meilleure façon de convaincre nos contemporains que leur joie se trouve en Jésus-Christ, c'est de vivre heureux malgré tous les problèmes que nous sommes appelés à affronter avec nos contemporains. Donc, s'occuper de ces deux tables. Deuxième point, je le mets entre vos mains, je vous invite à le méditer. C'est un peu ce que Pierre nous dit dans son épître. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? D'abord, il nous invite à nous approcher du Seigneur. N'oubliez pas que notre monde a peur de toutes les personnes, des rois, des grandes personnalités. Et le monde païen avait peur de ces dieux. Nous, nous sommes appelés avec confiance de nous approcher du Seigneur parce que lui-même, il a fait l'effort, il est descendu de son ciel, il a pris notre chair. Lui-même, il s'est fait proche de nous. Notre Dieu ne fait pas peur, notre Dieu nous sauve de cette peur. Et plus nous nous approchons, plus nous allons découvrir que nous sommes ces pierres vivantes du temple de Dieu. C'est-à-dire, plus nous allons découvrir que nous sommes membres de ce corps du Christ, plus nous allons découvrir que nous sommes ses fils de Dieu, ses fils bien-aimés de Dieu, plus nous allons découvrir que nous sommes cette présence de Dieu de nos jours. Dieu est présent, mais il est présent à travers chacun de nous. Plus on est vraiment lié, attaché au Seigneur, plus le Seigneur se révèle à notre monde, à nos contemporains, à travers chacun de nous. N'ayons pas peur de vivre notre identité de sacerdoce royal, nation sainte, peuple destiné au salut, peuple appelé à être lumière de ce monde. Et la dernière, c'est l'expérience que les disciples ont vécue et que chacun de nous est appelé à vivre. Vivre cette, l'expérience de la rencontre avec Jésus ressuscité. C'est vrai que beaucoup de personnes parlent de Jésus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris une station et ils se sont arrêtés là. Par exemple, il y a des personnes qui restent juste sur Jésus qui fait des miracles. Ils cherchent un Superman, ils ont trouvé cette superpuissance, le Superman en Jésus. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en permanente consolation. Parce qu'ils se soulagent en pleurant leur misère. Il y a des personnes qui restent au pied de la croix, et il y a des personnes qui restent dans le tombeau à chercher celui qui n'est plus là. Mais nous sommes appelés à vivre, à rencontrer ce Jésus ressuscité qui a guéri les malades, qui a souffert, qui a été crucifié, qui a été mis au tombeau parce qu'il était mort, mais qui est vivant. Vivre cette expérience, cette rencontre avec Jésus, elle nous dit tout. Accepter de le rencontrer et laisser le Seigneur nous aider à comprendre les étapes de notre vie à travers l'étape de sa vie, je pense que ça nous dit tout. Et ça nous aide pas seulement à vivre en paix, ça nous aide à découvrir notre chemin et à aider nos contemporains de s'approcher vers un Dieu qui est Père, un Dieu qui attend tous ses fils pour les rassembler autour de sa table, pour essuyer leurs larmes et pour les bénir et leur donner la vie. Frères et sœurs, moi je vous invite, si vous trouvez un peu plus de temps,
de reprendre ces paroles, de méditer, poussé par l'Esprit Saint, cette parole de Dieu, et laisser l'Esprit Saint nous aider à comprendre, à entrer dans la sagesse de cette parole, que cette parole nous donne la vie. Et le quatrième point, le pape nous a invités le 14 mai à consacrer cette journée pour prier et jeûner avec tous nos contemporains, nous les chrétiens, les croyants en Jésus, mais il invite tout le monde à prier avec confiance, à jeûner, à faire des gestes de charité, à implorer le ciel que Dieu nous sauve de cette maladie et que Dieu sauve le monde. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à discuter entre vous comment vivre cette journée de jeûne et de prière le 14 mai. On va vous donner plus d'informations plus tard, mais pour le moment, réservez cette date. Le 14 mai, c'est une journée consacrée à la prière, au jeûne, pour le salut de ce monde. Ensemble, disons notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ministres de notre Église, que tous ceux et celles qui ont reçu la grâce d'annoncer les merveilles et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à la parole de Dieu. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde, qu'à l'invitation du Christ, elles soient des pierres vivantes dans la construction d'une société plus sûre et plus humaine. Prions pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie, qu'elle puisse, en Jésus, trouver le courage de persévérer dans l'épreuve. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils soient conscients de l'importance de leur témoignage pour la vie du monde. Les victimes des guerres, des violences, des persécutions,
des victimes de cette maladie. Prions spécialement aujourd'hui pour Annick, Kefelek, Granek. Prions pour les malades, tous les malades, les souffrants. Prions pour Père Youssef et prions pour Antoine Bozo, le papa de Anne France. Que le Seigneur donne santé et guérison à tous nos malades. Prions pour chacun de vous qui participez avec nous dans cette célébration. Que son Esprit Saint vous donne la paix, la force, et qu'il vous inspire comment vivre sa parole, comment trouver votre joie. Amen. De toute l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 dominus deus sabaoth. Sanctus, sanctus, dominus Deus Sabaoth, pleni sum celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis.
vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Qu'elle puisse toujours s'occuper de la table des pauvres et de la table de ta parole. Souviens-toi du pape François, de notre évêque Paul et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes les victimes des guerres, des violences, des épidémies, des persécutions. Souviens-toi, Seigneur, d'Annick, Kefelek et Granik. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos malades. Aie pitié, Seigneur, de nos malades, dans leur force et courage. Père Youssef, Antoine, Bozo, Farid, Greg, Elie. Donne la paix à notre monde, donne la sagesse, l'humilité et la conversion de cœur au chef de ce monde, aux responsables de nos pays. Te prions spécialement, Seigneur, pour le Liban, les responsables convertis leur cœur, Seigneur, donne-leur la sagesse et l'humilité de chercher le bien de leur peuple. Nous te prions pour la Syrie, donne à Syrie la paix. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, ensemble, disons cette prière. Adressons-nous au Père plein de miséricorde, pour nous, pour notre communauté, mais pour le monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux sommes-nous, parce que nous sommes invités à la table du Seigneur, et en même temps, beaucoup parmi vous sont privés de cette table. Mais heureux sommes-nous comme la Vierge Marie qui a cru à la parole, qui a cru à l'efficacité de la parole de Dieu. Invoquons ce Dieu qui est tout près de chacun de nous. Approchons-nous de lui, ou laissons Dieu s'approcher de chacun de nous. Nous bénir, bénir nos corps et nos âmes, qu'il nous sanctifie. Seigneur, dis seulement une parole et nos cœurs et nos corps sont guéris, sont sanctifiés. Amen.
Frères et sœurs, j'ai deux messages de remerciement de notre groupe d'accueil et d'entraide. D'abord, sachez que toutes les donations que vous aviez effectuées avant Noël nous ont permis de répondre à des situations d'urgence alimentaire durant la période du couvre-feu fin avril. Un énorme merci à tous ceux qui avaient participé à ça. Parce que ça s'est bien tombé avec le couvre-feu. On avait pas mal de... On avait bien préparé ces cartons et les personnes qui étaient dans le besoin ont pu profiter de ces provisions. Donc merci à vous, à tous vos enfants qui avaient fait cet effort de récolter ces donations. Et aussi, cette première semaine de mai, grâce à notre participation à la campagne de Bag of Hope, organisée par Good Samaritan de la paroisse Sainte-Mary, nous avons pu remettre de généreuses quantités de provisions pour les personnes et des familles qui nous avaient signalé leurs difficultés. Nombreux sont ceux qui nous ont demandé comment ils pourraient participer et nous aider. Nous mettons en place un système de commande en ligne afin que vous puissiez directement payer un panier de provisions tout fait et nous le ferons acheminer au lieu de résidence des personnes sur nos listes qui nous ont sollicité. Donc avec le groupe Entraide, on va un peu clarifier ça. Surtout maintenant, je veux vous dire que ceux qui se trouvent dans le besoin, n'hésitez pas à nous le dire. Et ceux qui ont envie d'aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Vous avez nos contacts sur cette page. Donc n'hésitez pas à suggérer si vous avez des suggestions. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie d'aider d'une manière ou d'une autre, c'est l'occasion de saluer toute l'équipe Entraide qui se sont vraiment mobilisées pour pouvoir répondre à tous les appels urgents de nos paroissiens et de notre communauté. Encore une fois, c'est une messe qui nous fait mal, parce que vous n'êtes pas ici. J'espère que bientôt, on pourra vous rencontrer avec un 30% ou 20%, mais j'espère que les choses iront dans la bonne direction. Vous nous manquez. Le bruit de vos enfants, spécialement à Jabal Ali, nous manque beaucoup. Moi, je n'aime pas les messes calmes comme la nôtre. Père Edouard et moi, on est seuls. Il n'y a personne qui joue, qui court, qui fait des cris. On espère bientôt vous trouver sains et saufs pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, tous ses dons. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple. Car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, vous protège, veille sur vous. Par l'intercession de la Vierge Marie, je vous bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Et j'espère à très bientôt.